Et salut les gens, c'est Kaibo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Roblox. Et aujourd'hui on est sur Prison Life. Donc le but ça va être vachement simple, le but ça va être tout simplement de s'évader. Pourquoi par contre pourquoi il me tire dessus? J'ai rien foutu, de toute façon s'il me tue, bon voilà, je suis innocent, je me suis fait tuer. Donc a priori il va devenir policier si tu as encore un... Enfin non, il va devenir prisonnier. Mais voilà, en gros le but ça va être tout simplement de s'évader d'ici. Donc pour s'évader ça va être très simple, on va d'abord devoir récupérer le marteau. Donc voilà, on le récupère tout tranquillement. Il y a des trucs qui se disent dans le chat. Bref, voilà, donc là on doit aller déjeuner. Donc j'ai toujours le marteau avec moi, mais bon, je vais éviter de le sortir. Et on va attendre tout simplement la nuit. Et la nuit, on va pouvoir s'évader. Et après, on va pouvoir devenir criminel. Donc, juste pour des raisons de sécurité, je vais mettre mon marteau. Non, je peux pas le mettre dans le... Bon, pas grave. Donc, on va manger notre déjeuner. Voilà. Voilà, c'est bon. On a mangé. Donc pour l'instant, on fait genre, on est juste un petit prisonnier, voilà, qui veut rien faire de mal. Mais après, on va... Enfin, en gros, après, on va s'évader, mais il va falloir attendre la nuit. Je vous explique pourquoi. C'est parce que, en gros... On va devoir péter les toilettes. Donc on va devoir. Ouais. On va devoir péter les toilettes de notre cellule. Sans se faire repérer par les policiers. En sachant que, enfin voilà, si jamais ils nous repèrent pendant qu'on le fait le jour, bah on est mort. Alors que si on le fait pendant la nuit, ils peuvent pas ouvrir notre cellule. Ils peuvent pas nous tirer dessus. Et du coup, nous on se tire tranquillou. Donc voilà. Par contre, il va falloir attendre quand même un paquet de temps. Voilà, temps libre. Pendant ce temps-là, on va pouvoir aller un petit peu s'amuser. Bon, vous savez quoi, je vais quand même pas tout vous mettre, hein, parce que voilà, on n'a pas non plus tout notre temps, et j'imagine que vous êtes venu pour me voir en criminel. Donc, on reprend, la nuit tombe. La 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 la. Oh les gens, donc là, va falloir être discret, parce que du coup... La nuit, comme vous voyez, est tombée. Il est 9h25 et c'est à 10h la fermeture des cellules, donc faut qu'on y soit. Par contre, merde, pourquoi je peux plus avancer? Ah si, c'est bon. Ah, je me fais tirer dessus, je me fais tirer dessus, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Allez, on se dépêche. Oui, c'est bon. Maintenant, vous savez quoi? On fait genre on dort. Allez, hop. Voilà, we are sleeping, on dort, c'est voilà, et faut rester discret. Non, bon, plus sérieusement, faut pas rester discret. Voilà, donc comme vous voyez, ça a été fermé, on va pouvoir sortir notre marteau et taper sur les chiottes. Donc normalement, voilà, on a des petites particules, ça veut dire qu'on est en train de les casser. Donc on tape, on tape, on tape, on tape. Ouais, c'est bon, il est sur PC lui aussi. Allez, casse-toi. Voilà, c'est bon, ça s'est cassé. Hop. On se baisse et on y va. Donc, maintenant je vous explique, on va terminer dans les égouts et il va falloir être assez discret. Parce que sinon, ça va pas le faire. Enfin, faut pas qu'on se fasse cramer quand même. C'est un petit peu le but de cette mission. Donc, je crois que c'est par là-bas qu'il faut qu'on aille. Donc, c'est par là-bas qu'on va aller. D'ailleurs, ouais, j'ai bien activé le sprint. Allez, on y va. Et après, il va falloir faire en sorte d'être suffisamment discret pour pas se faire cramer par les flics.
Pitié, me tire pas dessus. J'ai rien demandé. Non, en vrai, j'ai l'impression que le flic là qui était derrière. Ah non, il veut pas aider les prisonniers. C'est pas un traître, lui. Enfin, c'est un traître de nous. Vite! Liberté! Oui. C'est bon, on est enfin libre. Donc vous savez qu'est-ce qu'on va faire? On va pas perdre de temps. On va nous réinitialiser, comme ça on va directement atterrir dans notre base. Par contre, il s'est passé quoi? Attendez, on m'explique. Voilà. C'est bon. C'est bon, on s'est reset. Et donc là, voilà, vous voyez qu'on apparaît dans la team criminelle. Donc, on va aller chercher les armes qu'il y a à l'intérieur. D'ailleurs, comme vous le remarquez, j'ai enfin regagné ma vraie tenue. Donc, on va se récupérer nos armes, à savoir l'AK-47 et le fusil à pompe, quoi. Donc, voilà. Maintenant, on va mettre une petite voiture cool, bleu foncé. Ça me va. Et maintenant, je propose qu'on y aille. Ouais, bon, on prend pas la route, hein, c'est bon. Je vous rappelle qu'on est des criminels. Donc, les règles, on s'en fiche. Ne faites pas ça chez vous, bien entendu. Sur Roblox, on peut, mais après, vous risquez d'avoir des problèmes. Zone à accès restreint, entrée interdite. Bah, vous savez qu'est-ce que ça me donne envie de faire? De rentrer, forcément. Donc voilà, comme vous le voyez, on arrive devant la prison. Donc on va sortir, hein, on va pas s'embêter. Et on va sprint. Merde, par contre, je crois qu'il y a un flic. Merde, il y a un flic, je crois. Non, quoique, non, c'est pas un flic. Donc là, le but, ça va être de monter en fait sur cet arbre. Et cet arbre, ce qui est pratique, c'est qu'il est un petit peu penché. Donc tout simplement, il va nous permettre de pénétrer dans la zone des. Enfin, dans la prison, et après on va pouvoir aller tuer des policiers. Je vais juste attendre que mon endurance se régénère. C'est la petite barre bleue juste en bas. Donc vous avez non seulement la barre rouge de la vidéo, mais en plus vous avez la petite barre bleue, voilà, qui représente mon endurance en jeu. Et là, on va y aller, et on s'est raté. Génial. Donc, on va réessayer parce que. Ouais, non, en fait, je me rends compte, je suis vraiment nul. Est-ce que en première personne, ça va plus le faire? Peut-être. Attendez. Hop. Donc, on attend de se régénérer un peu. Voilà. Donc là, on se rate pas. Hop. Mais c'est pas possible. Ça veut plus marcher ou quoi? Hop. Ah! C'est pas possible. Allez, on mitraille. Pour la peine, on mitraille, on mitraille, on mitraille. Donc voilà, après, il va falloir nous recharger. Donc soit on clique, soit on appuie sur R. Donc voilà, on fait vraiment comme on veut. Et. Hop! Ah là 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 là. Allez, tu. Donc vous êtes en train de me dire qu'on est capable de s'évader, mais on ne sait pas monter un sapin. Non, c'est bon, on vient de réussir. C'est quand même déjà mieux. Donc, je crois ils sont. Oui, je crois la cour, elle est là-bas. Donc, on va aller tuer là-bas. Donc, a priori, c'est l'aire de promenade, regardez en haut. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dehors à cette heure-ci. Donc on va pouvoir aller un petit peu les embêter, si vous voyez ce que je veux dire. On est combien de criminels là? Ouais, on est quand même pas mal. On est plutôt nombreux. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des mecs voilà, qui sont alliés. Donc, je vais faire ma technique habituelle un peu en. Non, on ne peut pas dézoomer plus que ça. Allez, on mitraille, on mitraille, on mitraille. Toi, c'est ça, viens là, viens te faire tuer.
Hop. Est-ce qu'on arrive à le tuer là? Oui, c'est bon, on l'a tué. Qu'est-ce qui reste d'autre? Non, il n'y a plus personne. Ah si, bonjour toi. Par contre, tu aussi, il a une arme, ça va pas trop le faire. Toi, je vais te tuer par exemple. Voilà, on recharge. C'est bon, tuer. Toi aussi, on va te tuer. Allez, 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 allez. Non, en vrai, il y en a qui sont plus chauds à tuer que d'autres. Toi, t'es. Ouais, t'es aussi. Quoique, je me demande si c'est un flic ou un. Non, ça m'a l'air d'être un criminel, c'est bon. Attends, toi, par contre, je vais pas te louper. Allez, viens là, meurs. Parfait. Oui, je sais, on n'a aucune pitié, mais c'est normal, on est des criminels, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez hop, on les arrose. Allez! Mourez, 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 s'il vous plaît. Et toi, tu ne fais pas exception à la règle, s'il te plaît. Je vais te demander de décéder, bien gentiment. Je crois qu'il s'est foutu là, non? Ah non, c'est bon, c'est un criminel. C'est bon, c'est bon. C'est juste qu'il a pas refait sa tenue. Allez. Toi aussi, on va te tuer. Je crois qu'il y a quelque chose qui nous canarde. Non. Lui. Mais en fait, je crois qu'il a. Non, il essaie de tirer sur lui en croyant que c'est un. Attends, là je crois on a un. Non, je crois que c'est aussi un criminel. Là aussi on en a un. Vous savez quoi? Allez, on fonce tête baissée sur le champ de bataille. Allez. Là on va essayer de faire très mal, hein. On a sorti le pompe. Quand on sort le pompe, c'est du sérieux. C'est tout. Y a personne. Ne dites pas que la fête est finie déjà. Non mais c'est con, il n'y a aucun flic qui vient nous voir. Toi t'es. Non c'est bon, c'est un allié. De toute façon, avec une tenue un peu. Je sais pas qu'est-ce que c'est comme tenue. Peut-être Stormtrooper, quelque chose comme ça. Allez, merci. Allez, ça va canarder. Je le sens. Allez. Hop. Allez, toi, on va te tuer par contre. Parce que t'es pas gentil. Voilà. Toi aussi d'ailleurs. Meurs. Mourez tous. Voilà. Allez, toi aussi, viens. Là, venez là, vous tous. Allez, je propose que l'on. Ah, un flic. Un flic, un flic, un flic, un flic. Non, par contre, faut pas qu'il nous menotte. Parce que sinon, on redevient prisonnier. C'est comme ça si un flic te menotte. Toi, t'es quoi, toi, là-bas? J'ai des doutes. Non, il m'a l'air d'être un criminel. Non, même pas. Meurs. Ouais, si on s'est pas rechargé, ça va pas le faire. Oh! Attention, flic! Toi, tu vas mourir. Allez, on sort l'artillerie lourde. Hop! Décède. Non! Il nous a tués. Il nous a tués. Bon bah écoutez, on retourne à la prison et on se retrouve. Ok les gens, est-ce que vous êtes prêts à découvrir le bug du siècle sur le jeu?
Eh ben, en fait, c'est ce carré, et quand on rentre dedans, bah, regardez, c'est complètement buggé. On se retrouve hein, à l'intérieur d'un truc vraiment bizarre. Je saurais pas dire ce que c'est, mais voilà, c'est complètement buggé. Mais alors, même moi, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a ça. Je comprends même pas ce que c'est, pourquoi c'est là. Mais voilà, donc. Si jamais vous passez sur le jeu, pensez à aller voir cette espèce de petit carré pour vous montrer à peu près où est-ce qu'il est. Ici, il y a le sapin un petit peu courbé sur lequel vous pouvez monter pour envahir la zone des prisonniers. Donc voilà, c'est juste à côté. Mais enfin voilà, c'est vraiment ultra bizarre comme bug. Mais moi, je ne le connaissais pas avant. Donc voilà, je viens de le découvrir en remarquant le carré ultra bizarre. Mais voilà. Du coup aussi, on fera certainement des vidéos sur Jailbreak. Donc voilà. Vous devez certainement connaître. Enfin, c'est assez connu. C'est un petit peu un prison life, mais encore mieux. Parce que vous pouvez cambrioler des musées et tout ça. Voilà. Donc vous avez beaucoup plus de choses à faire. Prison life, c'est sympa à faire de temps en temps. Mais on ne peut pas y jouer pendant 3 heures comme ça. Parce qu'au bout d'un moment, on a fait le tour. Enfin, surtout que la map, je la connais par cœur. Mais voilà. Donc, a priori, on aura. Ah, je suis le seul criminel. D'accord. Donc, on va pouvoir s'introduire. Attendez. Vous, par exemple, je vais vous tuer. Hop. Oh là 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 là, il a une arme. Ils ont des. Ils ont. Ah! On n'a fait qu'un seul kill. Bon, bah écoutez, cette vidéo aura été vraiment très courte. Hein. Elle aurait duré moins de 20 minutes. Je sais pas, peut-être 15. Parce que là, du coup, ce qu'on voit, c'est le temps de record. Mais sans compter le fait que je vais certainement couper des parties. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je compte sur vous pour dépasser les 10 likes. Voilà, c'est juste un défi. Il n'y aura pas de vidéo en récompense ou quoi. Mais voilà, en tout cas, on se retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. C'est le plus important pour vous comme pour moi. Parce que c'est quand même assez important de. Enfin voilà, c'est pas top si tout le monde est malade. Même pour moi. Et. Bah écoutez, d'ici là, moi je vous dis bye tout le monde!